Le ministre délégué à l'Habitat, Christian Leka, a ouvert lundi dans la capitale gabonaise Libreville les travaux de la 46e session du Conseil de l'Union des architectes d'Afrique sous le thème « L'architecture au-delà d'un simple logement ». Je déclare ouverte la 46e conférence de l'Union des architectes africains. Je vous remercie. En se réjouissant du choix du thème de ces assises, le ministre gabonais de l'Habitat s'est engagé à capitaliser les futures conclusions de cette rencontre. L'État gabonais compte par conséquent capitaliser toutes les réflexions qui vont s'inscrire au cours de cette rencontre. Ce thème, qui se situe dans la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, va nous permettre de profiter des conclusions de vos travaux de manière à développer de façon durable l'habitat social au Gabon. Pour sa part, le président de l'Ordre gabonais des architectes, Thierry Okenge, a relevé l'importance de ces assises. Le sujet de notre rencontre traduit donc parfaitement, d'une part, la prise de conscience de l'urgence à agir, les enjeux du développement d'autre part, le souci de maximiser l'impact de nos activités face à la réalité des besoins. Les sessions de travail qui sont prévues permettront, je l'espère, de trouver des éléments de réponse multiples à une question. Comment rendre les actions gouvernementales, les initiatives privées et les dynamiques, les dynamismes créatifs des architectes plus intelligents? Le président de l'Union des architectes d'Afrique, Tokumbo Omissor, dont l'intervention était exclusivement en anglais, a attiré l'attention du plus grand nombre sur la nécessité d'un monde plus vert, par des constructions vertes, par des matériaux tels que la terre cuite.